la firme patio. Apágate, cosito y descendre dans la 9, barre 79, du 20 août 1979, portant règlement intérieur des cours tribunaux et parquets, en son article 150. Le ministère public entendu reçoit les déclinatoires de compétences soulevées par le prévenu Sami Jamal, mais le dit non fondé. En conséquence, le rejette et se déclare compétent. Reçoit mais dit non fondé la fin de non-recevoir tirée de l'obscurité du libellé soulevé par le même prévenu, en conséquence, la rejette. Dit irrécevable, l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les prévenus Sami Jamal et Kamir Elokaningini Vital, en conséquence, dit qu'il n'y a pas lieu à surséance. Dit établi, en fait et en droit, l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 48 831 148 000 $ américains à charge des prévenus Sami Jamal et Kamir Elokaningini Vital. En conséquence, les condamne chacun à 20 ans de travaux forcés et prononce en outre l'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Kamir Elokaningini Vital. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, à charge du même prévenu. La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus. L'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine à charge du prévenu Sami Jamal. Dit établi en fait et en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de $2 137 500 $américains à charge des prévenus Sami Jamal et Kamir Elokaningini Vital. En conséquence, les condamne chacun à 10 ans de travaux forcés et prononce en outre l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Kamir Elokaningini Vital, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnée et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus, l'expulsion définitive du territoire national après l'exécution de la peine contre le prévenu Sami Jamal. Dit établi en fait comme en droit à charge de prévenus Kamir Elokaningini Vital et Muhima Ndole Jeannot l'infraction de détournement des deniers publics portant sur la somme de $1 154 800 $américains. En conséquence, les condamne chacun à 2 ans de travaux forcés et prononce en outre contre tous deux l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, la privation du droit à la condamnation à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Dit établi en fait et en droit les deux préventions de blanchiment des capitaux mise à charge du prévenu Sami Jamal et le condamne pour la première à une amende de $20 millions et pour la seconde à 10 ans de servitude pénale principale et une amende de $20 millions. Dit établi en fait et en droit l'infraction de corruption mise à charge du prévenu Sami Jamal et le condamne en conséquence à une servitude pénale principale de 15 ans et une amende de $1 million constant ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois. Dit également établi en fait comme en droit la prévention de corruption à charge du prévenu Kamir Elokaningini Vital et le condamne à une servitude pénale principale de 15 ans et une amende de $1 million constant ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois. Dit que les deux infractions de blanchiment de capitaux commises par le prévenu Sami Jamal le sont en concours idéal. Par conséquent, prononce l'unique peine la plus forte, soit 10 ans de servitude pénale principale et une amende de $20 millions. Dit en revanche que les autres infractions commises par les prévenus Sami Jamal et Kamir Elokaningini Vital le sont en concours matériel, partant, cumule les peines et prononce à leur encontre la peine de 20 ans de travaux forcés chacun, ainsi que les peines accessoires ci-après. L'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote
et du droit d'éligibilité en ce qui concerne le prévenu Kamere Lokaningini Vital, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux, l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine à charge du prévenu Sami Jamal. Ordonne la confiscation des fonds contenus dans les comptes de nommés Amida Chatur, Soraya Mpiana et Shangalou Mekingi Daniel alias Massaro, ainsi que des propriétés immobilières acquises avec les fonds détournés et qui sont couvertes par les titres ci-après établis au nom des personnes suivantes. Le contrat de location numéro 1348/2019 AD 44988 commis d'Engaliema au nom de Shangaloume Daniel. Le certificat d'enregistrement AKN 11 folio 46 AD 193 commis de Kassavubu au nom de Mpiana Daïda. Le certificat d'enregistrement AGL 547 folio 171 AD 5082 commis de la Gombe au nom de Shangaloume Daniel. Le certificat d'enregistrement A/ML01 folio 179 AD, commune de Maloukou, au nom de Mayoutou Namouissi Dieudonné. Le certificat d'enregistrement NN 45 folio 33 AD 71 860, commune de Lancelé, au nom de Amida Chatur Kamere. Le certificat d'enregistrement AGL 547 folio 56 AD 5807, commune de Lingwala, au nom de Shangaloume Kingi Daniel. Et le contrat de cession entre Jamal Samif et Soraya Mpiana, AD 44196, commune de Ngaliema. Ordonne l'arrestation immédiate du prévenu Mouima Ndole Jeannot. Reçoit et dit fondé l'action civile. En conséquence, condamne le prévenu in solidum à payer à la partie civile la somme de l'équivalent franc congolais de 150 millions de dollars américains à titre de dommages et intérêts. Reçoit et dit fondé la demande réconventionnelle du prévenu Sami. Reçoit, mais dit non fondé, la demande réconventionnelle du prévenu Sami Jamal. Condamne chacun des prévenus à payer un tiers des frais d'instance payables dans les délais légaux. À défaut, ils subiront une contrainte par corps de 30 jours. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe, ICA en matière répressive au premier degré, à son audience publique du 20 juin 2020, à laquelle ont siégé les magistrats Bakenge Vita, président de chambre, Kasunda Ngeleka et Mukaya Kayembe, juge, avec le concours de Lumbu Kachewa, officier du ministère public, et l'assistance de Nyamakila, greffier du siège. L'extrait des rôles étant épuisé, l'audience de séjour est levée. Clébo, Clébo. Original. On doit mettre sur pied un état de droit. Au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mbokebeba? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Ce mon conseil à Bandi, au code des tournées, à Bandi Bako, le toit du coin de Balandi, on a besoin. On en a fait quoi? Nous y avons cru. Mais ce que mon conseil à l'obé a vu, bon, il faut que moi, au salon, au yuno, aux amants, à Maïnanga, c'est vrai, au Tangatanaïo, tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit.
Pour le prévenu Jamal, interdiction au droit de vote et à l'accession, aux fonctions publiques 10 ans après avoir exécuté la peine. Le tribunal vient d'ordonner également l'arrestation immédiate du prévenu Mouima, qui est copte de 2 ans de travaux forcés. Et concernant le prévenu Caméré, certains biens, notamment les fonds logés dans des comptes de ses proches, membres de la famille, seront saisis, mais aussi les biens immobiliers tels qu'énumérés par le juge président seront également saisis par la justice. Et là, nous sommes à la fin. Le verdict est sans appel, c'est tombé. Et certainement, les gens vont se faire une idée de ce qui s'est passé durant les 2 mois ici à Makala. On a commencé par l'audition de différents témoins, mais aussi les renseignants. Le tribunal s'est fait une idée sur le reste. Et aujourd'hui, c'était la fin. C'est la fin de ce procès de 100 jours. Et à l'issue du verdict, on le constate, tout le monde se met debout, il n'y a pas de réclamation et chacun regagne son coin. Et le jugement a été rendu et ça n'appelle pas à commentaire Mathieu Moudiman. Moi, son nom, Cédric Enina, Batoba Zelaki, Bayoka.